Tereki. Mon fils, c'est pas vrai. Ce n'est pas possible. Ça ne sera pas possible d'enterrer mon fils. Vous ne pouvez pas enterrer mon fils. Hey, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ceci? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ceci? Mon fils, ce n'est pas ce que tu m'avais promis. Tu m'avais dit que tu allais venir me présenter ta femme. Au lieu que tu viennes me présenter ta femme, mon fils, c'est ton corps que je reçois. Mon fils, pourquoi as-tu décidé de mourir comme ton grand frère? Pourquoi as-tu décidé de mourir comme ton frère aîné, mon fils? Mon fils, tu étais censé me donner des petits-enfants. Allez, prenez le corps. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Amène-la à l'intérieur. Qu'est-ce que j'ai fait? Laisse-moi tranquille. Amène-la. Personne ne va enterrer mon fils. Personne ne va enterrer mon fils. Laissez-moi. Maman, s'il attendez. Te plaît. S'il te plaît. Au lieu que la mort m'emporte. Au lieu que la mort m'emporte. Maman, s'il te plaît. Elle aurait dû m'emporter. Mais non, elle a pris mon fils. Maman, s'il te plaît. Dieu de mes enfants. Nous n'en avons pas assez dans ce monde. Qu'est-ce que j'ai fait? Maman, viens. Qu'est-ce que j'ai fait? Venez m'aider, s'il vous plaît, je ne comprends pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Afoué, Lotena. Réveille-toi, c'est ta maman qui t'appelle. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Qu'est-ce que j'ai fait? Allez, laissez-moi. Maman, laissez-moi. 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 Laissez-moi tranquille. Allez, maman, laissez-moi. Allez, qu'est-ce maman. Que j'ai fait? Maman, s'il te plaît, Afoué, reviens. Réveille-toi. Chakoma. Laissez-moi maman. Tranquille. Amène-la laissez-moi l'intérieur. Toi, s'il te plaît. Afoué, réveille-toi. Réveille-toi, Afoué. Je suis fine. Hey, mon Dieu, maman, aide-moi. Calme-toi. Je veux voir mon maman, fils. Viens, 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 s'il te plaît. Femme, retire tes larmes et contrôle. Ils m'ont enlevé le sommeil des yeux. Ils m'ont enlevé le sommeil selon des yeux. Tradition. Ils m'ont enlevé le sommeil des yeux. Ils m'ont c'est enlevé le sommeil des yeux. Pour un vrai fils de cette communauté. Je vais dormir de mourir encore comme la fleur mon fils. De l'âge. Mon fils, réveille-toi. Mon fils, réveille-toi. Afoué. Afoué, réveille-toi. Afoué. Afoué, Lotona. Pourquoi? Pourquoi as-tu choisi de mourir à la fleur de l'âge? Tu brises tous nos corps et tous les corps de toutes les personnes de cette communauté. Et ils méritent de ne pas être pleurés. Jeunesse, partez avec son corps d'ici. Allez à Okinawa et enterrez-le là-bas. Vous n'allez pas toucher ce cercueil. Afoué, mon frère, ne peut pas être enterré dans la forêt maudite. Partez d'ici maintenant. J'ai peu de patience pour ceux qui n'ont pas de bonnes manières. Es-tu venu ici pour challenger l'autorité du roi? Non. Je me demande pourquoi tu as demandé aux jeunes d'aller enterrer mon frère dans la forêt au lieu de la concession de notre père. Ce n'est pas comme ça que ça se passe, mon fils. Où voudrais-tu qu'il soit enterré? Tu veux qu'il soit enterré dans la concession de ton père? Ou qu'on lui donne un enterrement décent parce qu'il est mort à la fleur de l'âge? Non, 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 mon fils. La tradition ne peut pas être brisée ici. Oui. Chima, tu agis comme si tu étais nouveau dans ce village. Ne connais-tu pas nos traditions et nos coutumes?
Enfin, on meurt à la fleur de l'âge. Et lorsque sa mère est encore en vie, et sans être marié, il sera enterré dans la forêt. Oui, oui. Donc, vous tous, vous considérez mon frère, mon grand frère Enfant Ouan, d'être un garçon qu'on peut enterrer dans la forêt maudite? Oui, parce que il ne s'est jamais marié à aucune femme. Il est mort très jeune. Et tu sais, une telle mort est douloureuse et ne devrait pas être célébrée. Je sais que tu connais certaines de ces choses. Les as-tu entendues ou alors tu as une autre question? Votre Altesse, je pense que Tima a raison. Afunwa était assez vieux pour se marier. Comme il vient de le dire, il ne devrait pas être enterré dans la forêt. Notable, ferme-la et assieds-toi si tu n'as rien de raisonnable à dire. Chief Ongodi, ne me demande pas de la fermer. Je le ferai encore et encore, aussi longtemps que tu auras tort. N'ose plus jamais m'arrêter la parole. Notre Wao Guemu a parlé, donc ça va. Et voilà, c'est tout. Mais ça va, personne n'a raison parmi nous ici. Mais mon roi, mon frère, je veux t'informer, toi et ton cabinet. Mais mon frère, Afumwa, était un homme plein de vie. Et aussi longtemps que je vis, il ne sera jamais enterré dans la forêt ou encore dans un autre endroit. Et je me rassurerai que sa dernière volonté soit respectée. Avec la tradition ou sans la tradition. Tima, ah bon. Tima, si tu vas à l'encontre de mes instructions, tu devras subir les conséquences. Je ne peux pas être en vie et voir mon frère enterré dans la forêt maudite. Non, je ne laisserai jamais cela arriver. Sinon, je veux le voir enterré dans une parcelle de notre terrain. Afua n'est pas mort comme s'il n'était personne. Il n'est pas mort avant son père. Afua, s'il te plaît. Mon fils, s'il te plaît. Laisse qu'il enterre Afua là où il le veut. Laisse qu'il fasse ce qu'il veut faire avec ce corps. Non, maman, non. S'il te plaît, ainsi je pourrai me reposer parce que je suis fatiguée de maman, tout écoute. Ce moment. Maman, écoute. S'il te plaît. Je ne peux pas laisser qu'on l'enterre dans la forêt maudite. Il sera enterré là où il mérite d'être enterré. Maman, permet à Tima d'enterrer Afua, s'il te plaît. C'est mieux de demander le pardon que de demander la permission pour faire une chose pareille. Bien sûr. Jeune, emmenons-le à sa dernière demeure. Allons-y. S'il te plaît, mon fils, laisse qu'il aille l'enterrer où il le veut, n'importe où, mon fils, je t'en prie. Laisse-le l'enterrer où il le veut, je suis fatiguée, je vais me reposer de tout ceci. S'il te plaît, arrête de pleurer. N'entre pas dans la journée d'aujourd'hui avec les plus sûrs d'hier. Tu ne fais que pleurer depuis le matin. Tu n'as pas mangé. Tu ne t'es pas reposé. Maman, s'il te plaît,
il n'y a pas une quantité de larmes qui ramènera Afuma à la vie. Arrête de pleurer. Maman, sais-tu que si nos larmes pouvaient ramener Afuma, nos larmes auront atteint une rivière. Maman, s'il te plaît, c'est vrai que c'est douloureux, mais arrête de pleurer, s'il te plaît. Du moins, tu nous as toujours. Rappelez-vous que c'est Afuma qu'on parle ici. C'est d'Afuma que vous parlez. Afuma et l'Odena. Afuma, mon fils, dont vous parlez. La vie. Qui est-ce? Que fais-tu ici? Que veux-tu? Il s'agit de maman. Elle ne cesse de pleurer et elle refuse de manger. Elle finira par se suicider. Ah. Qui veut se suicider? C'est maman. Tu sais quoi? C'est mieux qu'on aille la voir. Allons-y. Maman, pourquoi pleures-tu? Ah! Elle ne fait que pleurer depuis le matin. Écoutez, je peux ressentir la présence de mon fils à fond. Je peux le sentir, il est ici. Au milieu de nous. La mort d'Afuma n'est pas ordinaire. Afuma a été tué par quelqu'un. Afuma veut me parler, je peux le ressentir, ils veulent me parler, mais je ne sais comment faire pour qu'il me parle. Je ne sais comment le faire. Tima. Maman. Emeka, deux de vos frères sont morts en si peu de temps. S'il vous plaît, je n'ai envie que rien ne vous arrive. Si quelque chose vous arrive à vous deux, je mourrai, je ne vais pas résister. Maman, est-ce que tu as déjà mangé? Elle n'a rien mangé depuis hier. Tu vois, c'est ça le problème. Ai-je mangé? Est-ce qu'Afuma a mangé? A-t-il mangé? Je peux le ressentir, il est ici. Il a faim, il n'a pas mangé. Maman, s'il te plaît. Arrête de pleurer, ok? Crois-moi. Rien du tout ne va nous arriver, ok? Je te promets que rien ne va nous arriver. Est-ce que tu me comprends? Maman, il a raison. Arrête de te faire du souci pour nous. Nous allons bien. Seulement, promets-nous que tu ne vas plus te mettre à pleurer, s'il te plaît. Je ne peux pas. Parce que si quelque chose t'arrive, personne ne pourra le supporter. S'il te plaît. Il va falloir qu'elle arrête de pleurer pour qu'on aille dormir. Il se fait déjà tard.
Vous pouvez aller dormir. J'irai mieux. Mais tu ne fais que pleurer, maman, arrête. Je vais aller bien. Ok. Je reste avec moi. Amaka, rassure-toi qu'elles boivent au moins de l'eau. Maman, arrête, s'il te plaît. Arrête. Allez, maman, calme-toi, s'il te plaît. Allez, arrête de pleurer, rien ne nous arrivera, ok? Arrête, maman, s'il te plaît. Calme-toi. Bonne nuit, ma chère maman, bonne nuit. Pleure plus, ça va. Maman, tu as déjà... Maman, s'il te plaît, arrête de pleurer, s'il te plaît. Prends courage, maman. Je souhaite honnêtement que tu n'expérimentes plus ce genre de choses. Amen. Ma fille. Maman. Que Dieu te bénisse. Amen, maman. Je suis impatient de te voir, toi et Tima, mon fils, être mariée et me donner des petits-enfants. Amen, maman. Je suis impatiente. Merci. Je dois partir, vu que Tima n'est pas là. Tioma, pourquoi te presses-tu de partir? Détends-toi que je te trouve un truc à manger. Hein? Je suis sûr que quand tu auras fini, Tima sera déjà de retour. Emeka, je n'ai pas faim et je ne veux rien manger, comme tu peux le voir. Alors que Tima m'appelle quand il reviendra, d'accord? Puisque tu insistes. Oui, j'insiste. Il est déjà là. Je pense qu'il est mieux que nous rentrons. Mais quand est-il rentré? Eh bien, je ne sais pas. Où est Tima? Un truc ne tourne pas rond avec ses agissements et je n'aime pas cela. Calme-toi et rassurons-nous simplement que ce que tu penses est vrai. Tiens, c'est lui. Chérie. Bébé, viens là et dis-moi la fille que tu allais voir quand tu as disparu de la maison. Allez chérie, tu sais que je ne peux pas faire un truc comme ça. D'accord. Mais pourquoi es-tu donc partie de la maison sans dire à personne où tu es allée? Je t'ai appelée, Dieu seul sait combien de fois, mais tu n'as pas pris. En fait, tu devrais remercier Emeka qui a insisté pour que je t'attende. Merci frère. Je sais que tu protèges mes arrières. Ok. Eh bien, qui est cette fille? Allez bébé, ne me dis pas que tu es sérieuse. N'oublie pas que nous avons encore l'humeur du matin. Très bien, bébé viens. Allons à l'intérieur et parlons. Je ne vais pas à l'intérieur. Emeka, tu aimes trop faire ça.
Chima, mon fils. Que le Dieu Tout-Puissant te protège et te garde loin de tout ceci. Amen. Les plans de l'ennemi, de n'importe où ou de n'importe quel coin, ne sera jamais ton partage, au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais aussi vous demander ceci. Rassurez-vous de rester intouchable. S'il vous plaît, c'est très important, peu importe la situation. Restez intouchable. Si votre frère était resté intouchable, il ne serait pas mort en ce jour. Alors, s'il te plaît, Saint-Esprit protège mes enfants. Et le bon Dieu vous protégera toujours. Amen. Maman, je vous ai dit à toutes les deux de ne pas laisser ces pensées vous accabler. Afouan, mon frère, est mort et ne reviendra jamais. Et encore, je le ressens dans mon cœur. Rien de tel n'arrivera jamais à chacun d'entre nous. Et aujourd'hui, j'aimerais officialiser les choses. Quand je reviendrai, ce sera pour finaliser le mariage traditionnel d'Ichioma et faire tout ce qu'il faut pour... D'accord, mon fils. Très bien. Maman, il se fait tard. Mon vol de demain est à 7h50. Alors, je vais aller essayer de me coucher pour me reposer. Sans problème. Grand frère, si je ne te vois pas demain quand tu partiras, n'oublie pas mes chaussures. Je sais. En tout cas, je te le rappellerai. Je sais, je ne vais pas oublier. Bonne nuit. Bonne, bonne nuit. Bonne nuit, maman. Eh bien, voici le terrain sur lequel mon fils veut me construire cet immeuble. Après la construction, je laisserai le reste de terrain qui est plus bas pour faire les champs. Encore mais. Hein? Tu veux dire tout cet endroit? Oui. Ha! Ha! Comment penses-tu que ton plan sera un plan à succès pour toi? Quel est ce genre de question? Je sais que ta famille n'a pas de terrain ici. Et tu es ici pour acquérir cet endroit? Ediké, parfois tu agis comme une personne qui ne connaît pas qui est son ami. Comment peux-tu penser que quelqu'un comme lui peut m'empêcher, moi, Ongochi, de prendre ce qui me appartient dans ce village? Non, Enoka ne peut pas se tenir sur mon chemin. Ça, c'est pas vrai, Tifogoti. Ce n'est pas vrai. Comprends-moi très bien. Ce n'est pas vrai. Ça, c'est mon terrain. Et personne ne va me le prendre. Hein? M'as-tu bien compris? Hein? Personne ne va me prendre ce terrain. Je dis, personne ne va me prendre ce terrain. Mais j'ai une option pour toi. De quelle option est-ce que tu es en train de parler? Hein? La seule option est que tu déguerpisses de mon terrain. Hein? Et reste en vie. Sinon, je vais te tuer et t'enterrer ici. Hein? Tu m'as très bien entendu. Je t'ai dit que c'est la seule option. Va-t'en. Hein? Oui, dégagez d'ici. Sinon, je vous tue. Tu ferais mieux de t'en aller avant que je ne te coupe la tête. Oui, va-t'en. Va-t'en d'ici. Je dis pas. Allez. Allez, va-t'en. Voleur de terrain. Non, mais c'est quoi cet imbécile de frère? Hein? Je dis va-t'en, va-t'en. Papa. Papa? Oui. C'est quoi le problème? Mon fils, écoute, je ne veux pas du tout me disputer avec ton oncle. Si je ne sépare pas sa tête de son cou, il ne laissera pas mon terrain tranquille. Papa, donc à cause de Ngodi, tu as laissé le plan de travail qu'on avait aujourd'hui pour revenir ici. Papa, non, papa, c'est pas bien. Retournons au travail, retournons, non, non, retournons, non, non, allez, non, allez. Non, je ne peux pas retourner dans ce champ-là, non. Je ne peux pas retourner là-bas. Tu entends? Je vais aller porter plainte chez le roi et à tous ses conseillers. Papa, papa à cause de Ngodi, oui. Papa à cause de Ngodi, tu as quitté le champ. Papa, le cas de Ngodi est petit. Papa, ne t'inquiète pas, je vais gérer non, son viens. Cas. Papa, le viens, cas de Ngodi est petit.
tu fuis le chat à cause de Gauthier, ne te dérange pas, je vais gérer son cas. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu regardes? Ne vois-tu pas ce que je vois? N'est-ce pas le fils de ton frère, Okena Okeke, qui vient tout droit devant nous, tenant à la main une maquette? Qu'y a-t-il à ça? Hein? Il est peut-être en train d'aller au champ ou ailleurs. On dirait qu'il y a une erreur dans ce que tu vois, parce que ce que je vois n'est pas ce que tu décris. Mais regarde-le, tu connais Eloka et ses enfants, ils sont très habiles à la maquette. Hein? Ou alors as-tu oublié ce qui s'est passé il y a quelques minutes? Mon esprit me dit que... Il a dû rencontrer Okeloka. Sommes-nous des voleurs? Nous voulons nous enfuir parce qu'il est là? Sommes-nous des voleurs? Nous sommes des chefs. Nous sommes des chefs. Il n'y a pas de doute à propos. Mais souviens-toi, ce n'est pas nous qui lui avons pris sa maison. Mais c'est bien toi. Je ne pense pas que je vais rester ici. Arrête-toi là! Tonton, c'est toi? Mais non, Kéti. Bon, bon après-midi. Qu'y a-t-il de bon dans cet après-midi, Chief Okondi? Quand tu as décidé de nuire mon père? Écoute, si ce n'était pas à cause d'une chose, je t'aurais coupé la tête. Vu que tu as décidé de nuire mon père, tu prends le terrain de tout le monde dans ce village. Maintenant, tu m'étends tes griffes dans le seul espoir de mon père, Chief Okondi. Non. Non, ne dis pas ça. Ton père est mon seul frère, hein? Et je ne peux pas lui faire une telle chose. Je ne faisais que discuter près de ce terrain avec un ami. Et il s'est mis à avoir des arrière-pensées. Pourtant, cela n'était pas de mon intention. Eloka est mon seul frère et je ne pourrai jamais rien faire contre lui. D'accord, Tifongodi. Attrape tes oreilles. Hein? J'ai dit attrape tes oreilles. Ok. Maintenant, écoute, Tifongodi. Qu'aujourd'hui soit le premier et le dernier jour que je te vois poser tes pieds sur le terrain de mon père. M'as-tu compris? La prochaine fois que je te vois là-bas, je vais oublier que tu es mon oncle. Je vais te couper la tête. M'as-tu compris? Oui. Ngozi, qu'est-ce que tu es venu faire dans ma maison? Ne t'ai-je pas demandé plusieurs fois de rester loin de moi et des membres de ma famille? Eloka, mon frère, s'il te plaît, jette ce couteau, c'est terrifiant. Je ne suis pas venu ici me battre ou demander quelque chose. Je suis juste venu m'excuser pour ce qui s'est passé hier. Je suis vraiment désolé pour tout ce qui s'est passé hier, s'il te plaît. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Tu me demandes de te pardonner? Oui, je te demande pardon. Non, ne t'agenoue pas devant moi. Je ne suis que ton petit frère. Ne t'agenoue pas devant moi. Mais tout ce que je veux, c'est que tu ne repartes plus sur ce terrain pour faire n'importe quoi, grand frère. Si tu le fais, je ferai ce que je t'ai promis. Tu as demandé pardon et je t'ai pardonné. Je vous le promets, je ne vais plus jamais parler de cela. Tu es pardonné, grand frère. As-tu vraiment pardonné? Je t'ai pardonné du plus profond de mon cœur. Tu es vraiment mon frère. Embrasse-moi, s'il te plaît. Allez. Je t'ai vraiment pardonné. Je t'ai pardonné, tu es mon grand frère. Merci.
Allez, fiston. Viens fermer le portail, je m'en vais. Naïloka, le cueilleur de vin dans ce village? Je ne le connais pas. Naïloka, Naïloka, Naïloka. Cet homme est mort. Eh oui. Cet homme est mort. Naïloka. Cet homme est mort. Naïloka. C'est ce dont je te parlais dans cette communauté. Les gens sont méchants ici. Allez, avance. Tchepogodi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais sur le terrain de mon père? Qu'est-ce que tu fais là? Donc partout là. N'est-ce pas à toi que je parle? Qu'est-ce que tu fais là? Et au-delà de ce côté, c'est... Quoi? Benokete. Benokete. Écoute, ce ne sont que des mouches têtues qui suivent le corps dans la tombe. Je pensais que la mort de ton père t'aurait donné une bonne leçon. Que je t'éclaircisse les choses. Que ce soit la première et la dernière fois que je te vois près de ce terrain. Si je te vois, je te ferai comprendre que le trou des guégués est la danse des esprits. Mon terrain? Le terrain de mon père? Quel est ton terrain? Le terrain de mon père? Eh mon Dieu! Eh mon Dieu! Ils veulent me tuer! Ils veulent me tuer! Mon Dieu! Eh! Mon Dieu! Laissez-moi! Laissez-moi tranquille! Nemno Ketché. Un proverbe dit que ce ne sont que des mouches têtues qui suivent le cadavre dans la tombe. Allons-y, les gars. Hein? Tchepogodi? Donc c'est vrai que tu as tué mon père pour prendre son terrain? Hein? Tchepogodi? Aussi longtemps que je serai en vie, ça ne se passera pas comme ça! Je veux te dire un truc! Ça ne se passera pas comme ça! Je t'ai dit, ça ne se passera pas comme ça! D'accord? Taille de cette façon. Je ne sais pas. Allez, vas-y. Je veux voir le roi. Tu veux voir le roi? Je veux voir Eze Ome Nkukuru premier. Je veux le voir. Allez, attends dehors. Non, je veux voir le roi. Avant que je tue quelqu'un, je veux voir le roi. Tue-toi là-bas avant qu'on ne te mette hors d'ici. J'ai dit, je veux voir le roi avant que je ne tue quelqu'un. Je veux voir le roi. Mais je veux voir le roi. Mais je veux voir le roi. Je veux voir Eze Ome Nkukuru premier. Je veux voir Eze Ome Nkukuru. Tu ferais mieux de t'en aller d'ici. Je veux le voir. Je ne pars pas. Je ne pars pas. Cachez-moi! Je veux voir le roi! Je veux voir le roi Eze Ome Nkukuru! C'est très urgent! Laissez-moi, s'il vous plaît! Ça fait longtemps que nous sommes là et nous n'avançons pas. Par quoi est-ce que nous commençons? Comme je disais tantôt, mon père Okadike a régné sur ce trône pendant de très longues années. Je veux voir Eze Ome Nkukuru premier! Parlons de ce terrain. Laissez-moi, s'il vous plaît! Je veux voir le roi! Va-t'en d'ici avant que tu laissez-moi pour que je ne tue quelqu'un! Laissez-moi! Je veux voir le roi. Je veux voir le roi. Je veux voir le roi, s'il vous plaît, laissez-moi. Je veux voir le roi. Je veux voir le roi. Je veux voir le roi. Laissez-moi entrer. Je ne vais nulle part. Je veux voir le roi. Bien, faut. Je veux voir le roi. Je veux voir le roi. Laissez-moi entrer. Je veux voir le roi. Je veux voir le roi. Je veux voir le roi. Laissez-moi entrer.
Je veux voir le roi aider Ume Kokoro premier. Je veux le voir. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Lâchez-moi. Tiens-toi là. Je veux voir le roi premier. Où en sommes-nous avec le problème de ce terrain? Parce que nous ne pouvons pas le perdre. C'est vrai que nous ne pouvons pas le perdre. Mais pour l'instant, rien n'a été établi. Nous observons toujours. Mais qu'il entre, il est en train de me perturber. Les terrains, ce sont des affaires. Partout dans ce village. Mais celui-ci en particulier est très important pour notre bien. Le premier! Allez, tais-toi. Laisse-le entrer. Jeune homme, viens. Je veux voir le premier! Lâche ici, idiot. Bien, je pense que nous devons vraiment réfléchir à ça. Votre Majesté. Oui, viens là. Votre Majesté. Qui es-tu et que cherches-tu dans mon palais? Merci, Votre Majesté. Je m'appelle Mbeno Kiti, le fils unique, le vendeur de vin dans ce village. Nous savons tous que mon père est mort mystérieusement il y a déjà quelques semaines. Et je viens de réaliser que c'est mon oncle, Tifongoji, qui l'a tué, seulement pour voler notre terrain. Ferme-la. Allez, ferme-la. Sais-tu de quoi tu parles? Comment peux-tu venir ici et raconter ce que tu ne sais pas? Comment peux-tu accuser quelqu'un comme le chef Ongoji, en présence de notre roi et des autres membres du cabinet? Sais-tu ce que tu racontes? Je pense qu'il y a une erreur quelque part. Il doit avoir une erreur quelque part. Jim Dickey, ne lui demande pas de se taire. Hein? Il sait ce qu'il dit. Ce n'est plus un enfant. Est-ce qu'il est sûr de ce qu'il raconte? Es-tu sûr de ce que tu insinues? Très sûr, Votre Majesté, très sûr. Je l'ai vu il y a de cela quelques minutes sur le même terrain. Avec deux gars vraiment très costauds. Quand j'ai essayé de le stopper, comme s'il attendait, il envoie ses gars venus me battre. Et il a dit que comme il a tué mon père, si je ne lui cède pas le terrain, il va me tuer également. C'est vraiment sérieux. C'est une très grosse accusation que tu fais à l'encontre du chef Ogodi. Chef Okoro. Votre Majesté. Je voudrais que tu envoies un message au chef Ogodi. Dis-lui de venir me voir avant les 4 prochains jours du marché. Quant à toi, rassure-toi de venir ici le jour dit, avec tous tes témoins et tes preuves. Oui, mon roi. Tu peux maintenant quitter mon palais. Merci, mon roi. Votre Majesté, je le ferai. Alors, qui est-ce? Hey! Mon frère. Ah, comment tu vas? Pourquoi est-ce que tu appelles avec un numéro local? Tu es au pays? Tu es sérieux là? Où ça? J'arrive immédiatement. Ouais, j'arrive. J'ai dit immédiatement. Maintenant. Je t'ai entendu crier que j'arrive maintenant. Et ce n'est que quand Chima appelle que tu cries de cette façon, j'arrive. Mais Chima vient de s'en aller aux États-Unis. Ça va faire 2 semaines. Alors, qui est-ce? Maman, bien loin de là. C'est un vieil ami qui vient de m'appeler. Un ancien camarade de classe. Okay. Je vais aller le voir. Ok. Et passe-lui mes salutations, d'accord? Prends soin de toi. Attends, j'arrive.
N'est-ce pas là le petit Emeka dont nous parlons? Emeka? Votre Majesté. Où est-ce que tu cours ainsi? J'espère qu'il n'y a pas de problème. Pas du tout. Un ami à moi m'attend à l'aéroport, donc je vais aller le chercher. Ok. Qu'en est-il de Tima? Depuis quand tu n'as pas de ses nouvelles? Tima. La semaine dernière. Oh. J'espère qu'il va bien. Il se porte très bien. D'accord. Tu ne vas pas en voiture avec l'une de ces voitures? Ouais, bien sûr que je vais en prendre une. Ok. Allez, à plus. C'est bien. Ok, à plus tard, à plus tard, à plus tard. Eh bien, tantôt, j'étais en train de dire, on ne sait pas comment. Ah, un instant. Façon, tu cours aussi pressé. Y a-t-il un problème? J'étais sur le point de venir chez toi. Ma maison? Oui. Ok. Tu vois, comme tu es là, il aurait été mieux que quelqu'un soit après moi. Au lieu de voir Ben et Katie venir au palais pour t'accuser d'avoir tué son père et au même moment t'accuser de leur avoir pris leur terrain. Tu es sérieux? Très, très sérieux. Très, très, très sérieux. Vu la façon dont il parlait. Vu les choses, on dirait qu'il a des preuves contre toi. Alors tu dois faire quelque chose et tu dois le faire rapidement. Le Yigwe a même envoyé quelqu'un chez toi pour que tu viennes au palais dans les 4 prochains jours du marché. Je pense que je sais quoi faire. Ça vaut mieux pour Merci toi. Pour l'information. S'il te plaît, fais tout ce que tu veux. Tu es très bon ami. S'il te plaît, je rentre vite à la maison. Moi, j'aimerais voir mon ami de l'autre côté. D'accord. Merci. Tioma, que s'est-il passé? Honnêtement, je ne sais rien. Je ne fais que lui poser la même question depuis qu'on a quitté l'aéroport. Mais il ne fait que dire que tous les hôpitaux ont testifié qu'il va très bien. Mais quand on le regarde très bien, il est mourant. Jim, que se passe-t-il? Emeka, cette affaire apporte la confusion. Je me souviens que ça a commencé 2 jours après que j'ai quitté le Nigeria. J'ai reçu l'appel de quelqu'un. Après avoir parlé avec lui au téléphone, j'ai eu un sentiment étrange. Et il a continué à raconter des trucs. Chaque fois que je parlais avec lui au téléphone, j'ai alors décidé de ne plus prendre ses appels. Et pourquoi ne pas me l'avoir dit? Emeka, ce n'est pas le bon moment pour se plaindre. Cherchons des solutions vu que sa maladie ne peut pas être soignée à l'hôpital. Je pense que nous devons l'amener chez un marabout. Un marabout? Je ne fais pas confiance au marabout. Je sais quoi faire. Allô, Amaka. Je veux voir ton pasteur immédiatement. Ne te dérange pas, je vais tout expliquer quand on sera. D'accord, ça marche. Où sont ces valises? Oh, elle est avec moi. Je les ai amenées dans notre maison. Et pourquoi? Emeka, là n'est pas le problème. Tu sais... Quand je suis revenu, je ne voulais pas que quelqu'un de la maison sache que je suis là. J'ai demandé à Choma de garder mes effets. Très bien, nous devons partir d'ici maintenant. Sœur Amaka. Pasteur Maï, bon après-midi. Bon après-midi. Comment tu vas? Je vais bien. Sœur Amaka, c'est vraiment inhabituel de te voir près de l'église quand il n'y a pas de programme. Est-ce que tu as rendez-vous avec quelqu'un? Oui, pasteur. Mon frère aîné demande à vous rencontrer. Il m'a demandé de l'attendre et c'est pour que nous partions ensemble. Oh. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il prend autant de temps. Oh, d'accord. Continue de les attendre. Ou alors tu essaies de les appeler au téléphone pour demander ce qui les retient. Je serai là dans mon bureau, d'accord? Voilà.
Ça fait longtemps que je t'attends. J'espère que ça va. Frère Chima? Et mais qu'à qui lui est-il arrivé? Mon Dieu, pasteur! Ah! Je reviens. Oh! Oh! Pasteur! C'est Ramaka. C'est quoi les problèmes? Pasteur, vous devez faire quelque chose. Mon frère est mourant. Gardienne et Blaise, cela ne sera pas son partage. Amen. Pas tant que Jésus est sur le trône. Et il nous a donné les pouvoirs qui pourra guérir et sauver ton frère. Où est-ce qu'il est ton frère? Il est couché à l'église, s'il vous plaît, allons-y. Ici à l'église? Oui, okay. Allons-y. Où as-tu mal? Dis-moi, où as-tu mal, mon chéri? Ça va aller, mon chéri, nous sommes à l'église. Pasteur, il est là. Oh mon Dieu. Rakata Tushu. Oh, puissance. Chima, je t'ai vu devant un hôtel avec des hommes. Tu es allé faire une consultation pour savoir qui est l'auteur de la mort de ton frère. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai, pasteur. C'est vrai. C'est vrai. Pourquoi tu fais ça? Ces hommes sont la cause de tous tes problèmes, ma sœur. Ma zui kote. Ben obesia. Oh, shira papa roche ni marakira roche du bratia yoro. Mais il n'y a rien qui puisse dépasser Jésus. Amen. Il faut seulement lui permettre d'aller combattre pour toi. Amen. 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 Nous allons nous battre pendant une journée. Ni kateria. Oh, shipa parasi. Roba. Nous allons gêner et prier pendant 21 jours. Oui, pasteur. De 6h à 18h. Comment est-ce que je vais vivre? Frère Tima, rien ne peut dépasser le Seigneur et Jésus, ok? Oui. Reste à l'église et prie le Seigneur. Oui, pasteur. Nous commençons les gémis. Oui, pasteur. Écoutez-moi, que personne de votre famille ne soit au courant qu'il est ici dans l'église du Seigneur. Parce que l'ennemi ne dort pas. Il n'a pas peur. Oui, pasteur. Nous allons nous battre. Masuka Peria. Récoté. Ça va aller. C'est rien, Maka. Ça va aller, mon chéri. Passe dans mon bureau. Je vais prier pour toi. Je suis là pour toi. Je vais te donner chéri, la liste des matériels qu'on aura besoin pour la prière. Calme-toi. Calme-toi. Amenez-les dans la chambre de l'église. Souko. Votre Majesté. Tout ira bien, Dokwe. Votre Majesté, il y a un problème très urgent que nous devons résoudre maintenant. D'accord, vas-y. La présence féminine, pouvons-nous parler en privé, s'il vous plaît? Marine, tu
vas devoir m'excuser. Il n'y a pas de quoi, mon prince. Okay, merci, je reviens bientôt. Chima, s'il te plaît, dis-nous. Qui sont ces gens avec lesquels tu es allé sur cet hôtel? Tima, s'il te plaît, tu dois nous faire savoir qui ils sont. Pour que nous puissions voir clair sur eux. S'il te plaît. Désolée. Ça, c'est étrange et sérieux. Amaka, reste avec lui. Au cas où il y aurait besoin de quelque chose pour la prière. Chioma, suis-moi, tu vas lui chercher quelque chose à manger. D'accord. Amaka, comment tu vas? Amaka, comment vas-tu? Où est ton frère? Je vais bien, mon frère est sorti. Bien, je suis venu pour prier. Quand j'aurai fini, je viendrai le voir. Quand je termine, je viendrai le voir. Le chiffre de cuit. Le roi, comment as-tu su que nous sommes ici? Je ne sais pas, et il a même demandé après toi. Amaka, s'il te plaît, ne laisse pas cela arriver. Que ceux qui ont tué mon frère Afonwa viennent à moi. Rien ne va t'arriver. Comment ça se fait que Dima est autant malade et Emeka et toi vous le cachez à tout le monde? Nous ne l'avons caché à personne. Hey, ton frère le roi Onyoma est au courant que ton frère est autant malade? Non. Hey, est-il au courant que Dima est au pays? Non. Comment ça se fait? Hey, je vais courir leur... Non! Ne le dis pas. Mon frère Emeka dira ce qui se passe à tout le monde. Je vois. Ça, c'est important. Tu vois, c'est pas le moment. Nous devons vraiment nous mettre en prière. Hein? Il n'y a que Dieu qui peut faire cette magie. Hey! Je vais courir pour faire ma prière et je reviendrai avec toi. Ok, merci. Hey! Thank you.
Pasteur, il est mort. L'état de mon frère s'empire. Pasteur, arrête de prier. Allons-y. Pasteur, s'il vous plaît, allons-y. Allons-y. Allons-y, allons-y, Pasteur. Chima. Ton repas est là, Chima. Chérie. Chima. 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 Chima, réveille-toi. Chima. Chima, réveille-toi. Si. Chima, je suis allée te chercher à manger. Ta nourriture est là. Chima. Chima. Qu'il vous a dit les gens avec qui il est parti et voir les marabouts. Ça fait pitié. On les a utilisés pour ôter la vie à ton frère. Ton frère est mort. Non. Ne dites pas ça, pasteur. Ne dites pas ça. Vous devez continuer de prier et de jeûner. Vous devez tous continuer de prier et de jeûner pour éviter une double tragédie. Non, non. D'accord? Non, non, non. Il y a un temps pour toutes les choses, ma sœur. C'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui reprend. D'accord? Grand frère, laisse-moi, pasteur. Grand frère, laisse-moi, pasteur. Laisse-moi, pasteur. Je sais que vous vous demandez pourquoi je vous ai convoqué ici. Mais avant que je ne continue, j'aimerais poser une question. Ngozi, où est ton fils, Tima? Vas-tu cesser de te moquer de moi et répondre à ma question? Tout le monde sait que Tima est en Amérique. Tu ne lui parles pas de cette façon. Avant tout le monde ici, elle est la femme de ton père. Tu fais attention à la façon dont tu lui parles. Il est le premier fils de cette famille. Est-ce à moi que tu parles? La tête de la famille Okadike. Il est votre roi, pour l'amour de Dieu. Donc, il a tous les droits sur tout le monde dans cette famille. Et même toute la population qui est dans le royaume Emesala sont ses sujets. Où veux-tu qu'il porte plainte contre ton cas? Suis-je au milieu d'une conspiration? Oh, tu fais partir du plan. Quel plan? Quelqu'un ici devra me dire pourquoi Tima, après être rentré des États-Unis d'Amérique et aller se cacher, s'éloignant de sa famille royale. Hey! Ça, c'est pas vrai, s'il te plaît. Il n'y a aucune raison pour laquelle Tima viendra dans ce pays et ira se cacher. C'est pas possible. Ça m'étonne. Demandez à cette sorcière de femme qui a ensorcelé mon frère, lui infligeant des maladies bizarres et le cachant de sa famille royale qui devrait s'occuper de lui après qu'il soit rentré des États-Unis d'Amérique. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Ton plan de manger mon frère et de laisser sa mère sans enfant a échoué. Et je veux aussi te dire que tes abominations ne vont jamais au grand jamais me faire fléchir. Je resterai forte jusqu'à ma mort. Ça, je te l'assure. Merci, maman.
Cette vie n'a plus aucune passion. Je suis fatiguée. Je ne crois pas ce que vous racontez. Mais pour ce cas, je vais me rassurer de le voir jusqu'à la fin. Mon roi, c'est vrai. C'est de la vérité. La vérité certaine est que c'est vrai. À cause de mon rapprochement vers Dieu, je suis allé à l'église pour faire ma prière cet après-midi. C'est là que je vois Amaka prenant soin de Tima, qui est gravement malade. Voilà. Qu'est-ce que tu racontes? Et Tima est très, très souffrant. Hey. Chioma, où est Chima? Quelqu'un dans cette famille ne voudrait pas qu'on se marie. Cette personne n'aime pas le progrès. Et cette personne ne connaîtra jamais la paix, je vous assure. Chioma, où est Chima, mon fils? Chioma, parle-moi, où est Chima? Où est Chima? Maman. Maman, il est mort. Ah! Maman, non. Et la personne responsable de sa mort. Il combattra cette personne jusqu'à ce que cette personne meure. Cette personne, c'est Nika que voici. Cela ne peut pas être possible. Elle ne peut pas tuer une mouche. Je n'ai jamais tué personne. Comment est-ce que je peux tuer mon propre enfant? Comment est-ce que je peux tuer mon propre enfant? Je souhaiterais qu'on gâchique sur ton vie. Il m'aurait défendu. Je n'ai tué personne. Je n'ai tué personne. Je n'ai tué personne. Chioma, viens, non, s'il te plaît, viens. Non, je ne peux pas. Calme-toi, ça va. Non. Viens. Tima. Non. S'il te plaît, calme-toi. S'il te plaît, calme-toi. Non. Ceci est vrai. Que mon futur beau-fils est mort. Hey! Tima avait promis que quand il reviendra ici le mois prochain, il apportera le vin pour demander la main de Tioma. Oh, mais qui est-ce qui a dit que je ne devrais pas avoir un beau-fils qui vit aux États-Unis? Oh, Seigneur. Hey, mon fils, fais très attention, mon cher. C'est un très, très gros coup. Oh. Hey. Tima est parti. Papa, Tima était supposé m'épouser.
Ma sœur, je sais comment prendre soin d'elle. Germain, allons à la maison. Tima! Oh, ça va, calme-toi. Non! Va, avec Tima! Arrête de pleurer. Y a-t-il quelqu'un dans cette maison? Gueno, Kichi! Oui, je suis là, j'arrive. Ah, tonton. Oui, mon garçon. Qu'est-ce qu'il y a? Comment vas-tu aujourd'hui? Je vais bien. Je t'apporte une chaise. S'il te plaît, ne sois pas offensé, il n'y a pas de cola. Voilà, prends place. Tonton? Ben Okechi. Oui, tonton. J'espère que tu n'as pas oublié que demain, c'est le jour du jugement du problème qu'il y a entre toi et Tifongodi. Je suis au courant, oncle. Je suis au courant. Tifongodi n'est pas un serpent que tu peux tuer avec un revers de la baguette. Si tu as des problèmes avec lui, hein, tu dois te rassurer que toutes tes preuves soient là. Oncle, faut pas avoir peur. Ne t'inquiète pas pour ça. Sinon, tu ne vas pas seulement perdre ce terrain. Tu vas aussi subir les conséquences de cette accusation. Oncle, oncle, ne te dérange pas. J'ai mes preuves. Je t'ai dit que j'étais là le jour où Tifongodi est venu ici, dans la maison de mon père, à cet endroit, pour demander des excuses à mon père. Après des supplications, mon père lui a pardonné. Mon père, il n'est pas méchant. Immédiatement, pars. Non. Il insistait que mon père devait l'embrasser. Mon père, étant un homme bien, a embrassé Tifongodi. Sans savoir que Tifongodi l'avait ensorcelé avec ce câlin. Et quand mon père est sorti en ce moment, allez, il est mort là. Mais avant de mourir, il a vu Amadine. Amadine et tous les villageois sont venus. Mon père a dit à Amadi que c'est dans ce câlin que Tifongodi l'a ensorcelé. C'est aussi sérieux? Oncle, je t'ai dit ne te dérange pas. Je peux t'amener chez Amadi pour qu'il te raconte toute l'histoire. Amadi a dit qu'il est prêt à raconter toute l'histoire à tout le monde. Donc, détends-toi. Ok, si tel est le cas, ça marche. Tifongodi ne pourra pas réussir cette fois. Peu importe ce qu'il fera. Mais... Je vais t'assurer, je prendrai ton côté pendant cette discussion. Hein? Oncle, merci beaucoup. Je suis désolé, je n'ai même pas une cola. Ne te dérange pas, mon fils. Viens, je signe. Okay. Je dois partir. Ok, merci beaucoup. Emeka, j'ai fait appel à Obiora que voici, lui ordonnant de laisser tout ce qu'il fait au Nitya pour être ici. Ainsi, nous pourrons saisir l'opportunité de parler de tous les problèmes qui concernent notre famille. J'aimerais que nous finalisions l'enterrement de Tim. Mais avant que nous ne continuions, j'aimerais savoir, est-ce vrai que le corps de Tim n'a pas été déposé dans la morgue de notre communauté? Oui. Et alors, où est-ce que tu as déposé son corps? Dans une morgue, quelque part. Emeka, je ne te comprends pas. Oui, tu ne vas pas me dire que tu as fait cette longue distance pour déposer un corps que nous allons enterrer dans quelques jours? Allez, ça, c'est pas bien. Ce n'est pas bien pour moi. Ce n'est pas bien. Emeka, j'aimerais qu'après notre réunion, tu rentres récupérer le corps de Tima pour le déposer dans la morgue de notre communauté. Et autre chose, Tima sera enterré dans une semaine, donc
Nous voulons que tu te prépares pour ce jour. Et j'ai décidé, ou alors nous avons décidé que Neka devra faire un vœu pour prouver son innocence. Oui, c'est vrai. D'accord. Écoute, nous ne pouvons pas accepter vivre avec une meurtrière. Dans ce royaume, jamais. Et s'il te plaît, Emeka, tu devras faire ce que le roi t'a demandé. Il n'y a pas le temps. Hein? Le plus tôt sera le mieux. Ramène le cadavre. Votre Majesté, ce que vous avez dit est clair. Mais en premier lieu, j'aimerais savoir ce que pense Chioma, la fiancée de Chima. Nous devons savoir exactement combien il a déposé dans notre compte commun. Ok. Deuxièmement, je vais vous épargner des dépenses des funérailles. Et finalement, est-ce que Neka doit-elle jurer? Est-ce qu'elle doit jurer? Emeka, tu dois juste faire ce que tu es censé faire. En fait, laisse-nous, en fait. Hein? Laisse ce problème de Neka afin qu'on le gère. L'autre ne te concerne pas. Fais juste ce que tu auras à faire. Elle devra jurer. Qu'est-ce que t'en penses? Mon roi. Mon roi. Obiora, s'il te plaît, fais-moi appeler la reine. Tu me demandes d'appeler la reine? Dis-lui de venir. Ok. Peux-tu t'imaginer toutes ces conneries? Hein? N'es-tu pas au courant que cet enterrement n'est rien pour nous? Mais qu'est-ce qui me concerne avec ce hein? Fameux corps? Elle doit jurer. Oui. Tu dois te rassurer que ce corps rentre ici. C'est ça que tu dis à voix basse? Parce que tu sais ce qu'on doit faire. Mon roi, considère ce corps dans la mort de notre village. Pouvez-vous l'imaginer? Mon fils, pourquoi a-t-il fait appel à toi? Pouvez-vous l'imaginer? Le roi souhaite que... Mais pourquoi est-ce que je l'appelle même roi, putain? Ignoma voudrait que je ramène le corps de Chima, que je ramène son corps dans la morgue de notre communauté. Est-ce que vous l'imaginez? Attends, pourquoi voudrait-il que tu l'enlèves de là où il est, pour la morgue de notre communauté? Là où il est, ne sont-ils pas capables? Bien sûr qu'ils en sont capables. Alors, c'est quoi le problème? Mais je ne sais pas. S'il te plaît, ne t'occupe pas de ce roi Onyekuesu, peu importe comment il s'appelle. Le corps de Chima restera à la morgue jusqu'à ce que nous soyons prêts à l'enterrer. Simple. C'est quoi toutes ces salades? Exactement. Maman, tu sais que je suis resté calme pendant tout ce temps. Mais crois-moi, j'en ai jusqu'ici. J'en ai déjà marre. Je pense qu'il est temps. Maman, il est temps. Je dis qu'il est temps. Ok. En fait, ça c'est d'une part. D'autre part, j'aimerais voir Tioma pour qu'on puisse parler en fait de tout ce que Tima a envoyé. Ou alors qu'il a gardé chez elle avant qu'il ne meure. S'il te plaît, mon frère, n'oublie pas. Il a envoyé des voitures et d'autres choses. N'oublie surtout rien, s'il te plaît. Mon fils. Maman. S'il te plaît. Je ne voudrais pas que tu te retrouves à te disputer ou avoir des problèmes avec elle. Fais très attention à elle, s'il te plaît. Maman, je suis averti pour ce genre de choses, ok? Bien. Je prendrai Amaka pour qu'elle m'accompagne. Toi, tu restes prendre soin de maman. Bon, je vais partir. Ok, s'il te plaît, fais attention, voilà, hein? Maman, avant que je n'oublie. Ne laisse pour aucune raison, je répète, pour aucune raison, ne laisse Neka faire un vœu. Ne la laisse pas du tout jurer. Elle ne le fera pas. Je ne vais pas la laisser mon fils, d'accord? Ok. Attention s'il te plaît, à toi, fais d'accord? D'accord. Fais attention.
Qu'est-ce qu'il y a? Je suis très sûr que le roi a invité ce marabout. Pour qu'il fasse quoi? Il veut faire jurer notre maman qu'elle n'a rien à voir avec la mort du Tim. Je ne pense pas. Vu que nous ne sommes pas sûrs, allons-y. Peut-être que le docteur traditionnel est en train de passer. Garde. Va appeler tout le monde dans cette famille et dis-leur de venir ici maintenant. Maman? 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 Maman, viens voir. Que se passe-t-il? Maman, il est ici. Qui est là? Le tradipraticien. Il a dit que le roi a fait appel à lui pour que maman Annie fasse un vœu pour l'accusation faite contre elle. Non, je ne laisserai pas qu'elle fasse un vœu. Elle est innocente. C'est un plan pour la tuer. Maman, oui. Que dis-tu? Qu'est-ce que tu racontes? Laisse tomber. Laisse tomber. As-tu vu Mamané aujourd'hui? Non, je ne l'ai pas vue. Même après cette accusation, elle a refusé d'ouvrir sa porte. J'étais là-bas, j'ai cogné à maintes reprises. Mais elle ne m'a pas ouvert la porte. J'ai donc décidé de partir. Elle a peut-être besoin d'être seule. Tu veux dire qu'elle n'a pas mangé depuis ce matin? Je vais voir ce qui se passe. Hein? Non, 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 non. Casse la porte! Casse cette porte, mais casse-la! J'ai cogné depuis le...
Nneka est morte. Oui, je le savais. Je le suis, roi Enyoma. Eze Omekuku le premier du royaume de Mwezala. Je le sais. Ça a toujours été ton souhait. Tu as toujours souhaité sa mort. Elle est morte à présent. Je t'ai toujours connu comme un parasite, mais je ne te connaissais pas que tu étais un meurtrier. Tu es maintenant heureux. Maman, s'il te plaît, je voudrais que tu changes ta façon de parler au roi. Ou tu voudrais qu'il te renvoie de cet endroit. Faire quoi? Personne. Je dis, personne n'a le droit, même pas toi le roi. Personne n'a le droit de me renvoyer hors de ce palais. Ce palais est le palais de mon mari. Trois de mes enfants, trois de mes fils sont morts dans ce palais. Ce palais est un palais maudit. C'est un palais maudit. Je m'en vais hors de ce palais. Ainsi, je ne verrai pas une autre mort. Je ne suis pas prête à mourir. Et personne d'autre ne mourra. Je ne serai pas témoin. Je retourne dans la maison de mes parents. N'essaye pas de mettre un pas hors de ce palais, femme. Et si je le fais? Alors tu sauras pourquoi je me fais appeler Omekokoro premier. Premier! Tu as fait tout ce que tu pouvais faire. Tu as fait tout ce que tu pouvais faire. Ceci, c'était la dernière chose. Regarde-moi. Que signifie tout ce cirque? Ne me dis surtout pas que tu as forcé notre belle-mère à jurer. Mais s'il te plaît, la femme en question est morte avant que le marabout n'arrive. Ce n'est pas la vérité. Garde! Allez, récupérez le corps de Nneka. Et enterrer la dernière palais. Votre Majesté, mes aînés, je vous salue tous. Je sais que la plupart d'entre vous se demandent pourquoi j'ai convoqué cette réunion. Parce que c'est étrange. Je n'ai pas convoqué une telle réunion depuis très longtemps. Et surtout à une telle heure. Il y en a d'autres chez nous qui dit Anuba Joso, Aba Ajoebwe. Et encore chez nous, on dit qu'un homme ne s'assoit pas sur sa merde et puis se tourne pour la chercher. Il y a quelques jours, j'ai découvert toute la discorde que mon frère Itop nous a laissée.
Alors j'ai invité Ikoro, l'homme sage, pour qu'il vienne le sortir, peu importe où il se trouve, pour mettre fin à cette dette incessante dans notre famille. Mais bien avant même qu'il ne vienne, les dieux, dans leur sagesse, ont pris la justice entre leurs mains et en ont fini avec cette mauvaise personne. Mais au lieu que certaines personnes apprécient le travail des dieux, ils ont conspiré contre moi. Et ta mère, Emeka, a eu l'audace de me provoquer devant tout le monde et est partie de ce royaume, sa maison royale, de sa propre volonté. Votre Majesté, excusez-moi. S'il te plaît, permets-moi de finir de parler. Assieds-toi. Il y a quelques jours, nous avions eu une réunion dans ce palais, Mika. Et il était ordonné de ramener le corps de Tima dans notre hôpital. Mais jusqu'à présent, cette instruction n'a pas encore été respectée. Et Mika, ta mère et toi avez piétiné le tigre par la queue. Et vous payerez pour cela, soyez-en sûrs. Et la raison de cette réunion est la suivante. Le corps de Tima ne rentrera pas dans ce palais tant que ta mère ne rentrerait pas de là où elle est partie. Et tant que tous ces problèmes ne sont pas réglés. Votre Majesté, quelqu'un qui est sur le point de mourir doit au moins dire ce qu'il pense. Tu ne réponds pas à ce qu'il a dit. C'est pas le moment pour cela, car nous sommes venus ici pour résoudre ce problème. Va dire ce qu'il t'a dit à ta maman et viens faire le rapport plus tard. Ils sont partis. Es-tu sérieux? Mais où partaient-ils? Je ne sais pas. Mon roi, si Libo refuse de chanter la nuit, le criquet pense qu'il a tout le pouvoir. Mon roi, je pense qu'il est temps que tu t'occupes très bien de ses enfants. Ndoukoué, mon cousin, ne t'inquiète pas. Hein? L'urine est poussée de devant, mais ça revient chez le propriétaire. Je m'assurerai ici et les attendrai. Mon roi, vous devez au moins penser à cela. Ndoukoué, calme-toi. Calme-toi. Ah bon? Tonton, bonjour. Nain, bonjour. Maman, bonjour. Bonjour, maman. Bonjour. Où est Amaka Ndema? Ils se sont arrêtés pour prendre quelque chose. Tu es sûre? Oui. Comment tu vas? Je respire encore. Mon fils, comment tu vas? Maman, nous n'allons pas bien du tout. Raison pour laquelle nous sommes ici. Qu'à Dieu ne plaise! Il est difficile de le croire qu'ils ont tué 3 hommes en un laps de temps. Je ne comprends toujours pas pourquoi. Quelqu'un pense qu'il peut détruire tes enfants l'un après l'autre. Maintenant, Nelka, qui a pris tous tes enfants comme les siens, est morte. Ces problèmes à toutes ses proportions doivent être dits aux aînés. Ils doivent observer ce problème avec attention. Bien, ma sœur, je sais quoi faire. Arrête de pleurer. Je sais quoi faire. Je suis même fatiguée de pleurer. Mes enfants, soyez les bienvenus. Allons dans la maison. Allons dans la maison.
Mon fils, je sais ce que tu ressens. Allons à l'intérieur. Votre Majesté, mes frères, je vous salue. Votre Majesté, mes aînés. Je vous salue tous, mon chef. Nous savons tous pourquoi nous sommes ici. Notre fils que voici. Le fils du défunt Eloka, le cueilleur de vin, nous a rapporté ici que le chef Gojé Kovasi a tué son père et a essayé de voler leur terre. C'est juste une bonne moquette. Oui, votre majesté, vous avez raison. Alors, qui est le témoin que tu as ramené ici aujourd'hui? Votre majesté. Alors, pourquoi ne pas nous dire comment tout ceci a commencé? Merci, votre majesté. Votre Majesté, j'étais dans la maison de mon père, prêt à aller faire mes travaux champêtres, quand mon père arrivait très en colère. J'ai demandé à mon père, c'est quoi le problème? Il m'a dit que son frère, Tifongodi, était dans notre champ, essayant de le lui prendre. Ah, votre Altesse, je me suis fâché. J'ai pris la machette et j'ai couru vers le terrain proprement dit. J'ai dit à Tifongodi, si je le revoyais là-bas, je le tuerais. Tifongodi s'est excusé, il a dit qu'il était désolé, qu'il ne le refera plus. Le jour suivant, il est venu à la maison pour voir mon père. Il a passé son temps à supplier, jusqu'à ce que mon père lui pardonne. Et il a dit, ok, je te pardonne. Tifongodi a insisté que mon père devrait l'embrasser. Mon père lui a dit, mais va, il a dit, jusqu'à ce que mon père l'embrasse. Votre Majesté, mon père a embrassé Tifongodi et il est parti avec sa bicyclette pour aller vendre son vin de palme. C'est là où mon père tombe à un coin du village. C'est là où Amadji et les autres personnes du village sont venues au secours de mon père. Mais avant que mon père ne meure, il a dit à Amadji que Tifongodi l'avait ensorcelé. Votre Majesté, à moins de 2 semaines après le décès de mon père, j'ai vu cet homme, ce soi-disant oncle Tifongodi, sur ce même terrain avec 2 hommes costauds. À l'instant où j'ai essayé de les arrêter, Votre Majesté, si vous aurez vu la bastonnade qu'ils m'ont infligée, ils m'ont donné une très bonne bastonnade. Il m'a dit qu'il me tuerait comme il a tué mon père. Oui, Votre Majesté. Alors, où est Amadji? Votre Majesté, Amadji m'a informé qu'il allait dans le village voisin pour faire quelques transactions. Chef Oaka, est-ce vrai? Mon roi, quand il viendra, il vous le dira lui-même. Oh, il est là, Amadji. Comme prévu. Votre Majesté, je vous salue. Mes chers aînés, je vous salue. Amadji. Votre Majesté. Que t'a dit Eloka avant qu'il ne meure? Il a dit que je devrais dire à Boenankiti. Qu'il devrait se retirer. De leur terrain, voilà, celui du village Omuta, qui a déjà été vendu à Tifongodi, voilà, c'est ça. Amadji, hey, mais dis-moi la vérité, hey Amadji. Même Okite, tu ne peux pas te mettre à crier ici, c'est un Votre palais. Majesté, je suis désolé. Amadji, dis-le la vérité, dis-le. Tifowaka, dis quelque chose. Chef Raga. Mbenmoketi, s'il te plaît, présente tes excuses pour cette accusation. Tifowaka, toi également? Mais pourquoi? Tifowaka, dis la vérité. Votre Majesté, tu es au palais, mon roi. Je l'ai prévenu. J'ai prévenu cette personne que voici. Quand il est venu ici en donnant une fausse information comme quoi le Tifongodi a tué son père.
Je lui ai demandé s'il y avait des preuves de ce qu'il disait. Je l'ai prévenu, mais il n'a pas écouté. S'il vous plaît, utilisez votre bon sens pour lui pardonner. Chef Ogodi, tu es mon camarade. S'il te plaît, pardonne-lui. Vous savez que son père vient juste de mourir. Peut-être qu'il passe encore par le trauma de quelqu'un qui a perdu son père. Donc, s'il vous plaît, pardonnez-lui. Votre Majesté, puis-je partir? Menokite, tu es le fils de mon feu frère. Serons-nous ici si tu avais accepté la vérité? Mais je te pardonne. Mon roi, pour mon respect, ne le punissez pas pour de fausses accusations. Il monte, c'est pas vrai. Chief Ogodi, je te remercie vraiment. Benoketi. Votre Majesté, il monte. Beno. Votre Majesté. Viens. Il monte. Benoketi. Va à la maison. Attends-moi là-bas. Nous devons replanifier. Souviens-toi, celui qui se bat contre Awesawe ne vivra que pour se battre. D'accord, Chief. C'est compris. Merci, Votre Majesté. Je vais devoir partir. Je te dis que ça fonctionnerait, mais tu m'as sous-estimé. Honnêtement, tu m'as surpris. Je ne savais pas que tu étais un aussi grand planificateur. Hey. Tu as tellement bien planifié les choses que le petit ne suspectera jamais, jamais quelque chose. Raison pour laquelle tu dois m'ajouter plus d'argent. De ce sur quoi nous avons parlé auparavant. Toi et l'argent. Ok, nous sommes des jumeaux, t'inquiète. J'ai plein d'argent. Tiens ceci, c'est pour toi. Et voilà. Tifongo dit merci. Ok. Tifongo dit, il reste encore une chose. Une chose? Mm-hmm. Qui est? Tu as promis de laisser Élise à la veuve pour moi. Écoute, considère que c'est fait. Oh, merci. Considère qu'elle est presque déjà à toi. Il reste une chose pour qu'elle soit officiellement. Mais promets-moi que tu ne vas jamais, jamais. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois de quoi je parle? Écoute, ces zèbres que tu vois,
cet arbre, ses yeux, ses oreilles. Va chez toi et je vais chez moi. Ok. Ah! Aïe! C'est rien, je voulais juste t'effrayer. Calme-toi. Ne joue plus à ce genre de jeu. On dirait un enfant. Hein? Tu m'as fait peur! Donc, mon cœur. Tu as peur de mourir? Non, allez, est-ce que tu as vu Tifo Godi? Voilà l'argent. Attends, s'il te plaît, j'espère que c'est... J'espère que c'est complet. Tout y est. Ok, vas-y, partage et donne ma part. Il a été déjà partagé. Super. Tu peux Godi. Godi. Je sais que tu es là, je sais que tu es à l'intérieur. Tu ferais mieux de sortir. Tifo Godi, ne te dérange pas, tu vas sortir me trouver ici. Qu'est-ce que tu es venu faire chez moi? Godi, je suis venu te dire, tant que je suis en vie, je ne veux pas te laisser prendre ce qui appartient à mon père par la force. Ça ne pourra pas arriver. C'est ce que je suis venu te dire. Ça sera soit je meurs pour ce terrain ou je te tue pour ce terrain. Ah, c'est maintenant ce que tu dis. Prends note. Quand les gens disent tout savoir, les mauvaises choses se produisent. Tifo Godi, les menaces ne se terminent pas tant que l'une des deux parties ne meurt. C'est une promesse. Crois-moi. Tifo Godi, j'ai dit crois-moi. Donc tu me parles ainsi? Ok. Nous verrons. Nous verrons! Tu sauras le genre de personne que je suis. Tchaï! Je suis le vautour. Personne ne me mange. Et aucun homme ne me défie. Et rien ne se dresse dans ma vie. Maintenant que t'es... Jai, tu es entré dans la fosse au lion. Tu as décidé de ne pas rester en vie pour me voir utiliser cette terre. Maintenant que t'es... Tu es juste comme un téléphone. Je peux t'éteindre à tout moment. Je ne veux pas te tuer. Mais à partir d'aujourd'hui... Tu voleras désormais comme un rat. Et tu ne cesseras jamais de voler comme la nature du rat. Mais non, Kété. Reçois-le! 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 Nous te saluons. J'ai apporté ceci parce que aucun fils ne va chez son père les mains vides. Donc, s'il te plaît, prends ceci.
Je suis ici parce que je veux te supplier. De supplier la femme de mon père pour qu'elle rentre dans la maison de son mari. Je n'aimerais pas attiser la colère du mort. Mon père, le grand Oka, dit qu'il n'a pas divorcé de sa femme avant sa mort. Alors c'est pour cela que nous sommes là. Mais si tu continues de la garder, on sera forcé de faire appel, selon notre tradition, du kidnapping de notre femme. Il le faut. Très cher Eddie, qu'est-ce que vous voulez insinuer? Mes chers aînés, ma mère ne retournera pas dans cette maison. Ce palais ne nous a rien apporté de bon jusqu'ici. Bien. Je crois que j'ai été très clair. Nous devons juste nous en aller et attendre votre réponse. Oui, parce que si elle ne rentre pas, Tima ne sera pas enterrée. Alors, je vais devoir partir. Nous sommes partis. Merci. Emeka, ta mère doit retourner là-bas. Emeka, après tout, c'est ta famille. Rien ne lui arrivera si elle retourne là-bas. Mes chers aînés, je sais que selon la tradition, nous ne sommes pas censés quitter la maison de notre père. Mais ce palais n'est pas du tout pur. Alors ma mère ne retournera pas dans ce palais, un point c'est tout. J'irai avec elle dans un endroit où elle se sentira en sécurité. Bien loin de tout ce stress et de tous ces problèmes. Et pour Chima, dès demain, je ferai tout mon possible pour venger sa mort, qu'il pleuve ou alors qu'il neige. Tonton, la seule raison pour laquelle ces gens voudraient qu'on retourne là-bas, c'est parce qu'ils veulent nous tuer de la même manière qu'ils ont tué nos frères. C'est la seule raison et rien d'autre. Non, non, je ne le pense pas. Emeka, prends-le calmement, on ne fait pas les choses comme ça. Non, Tonton. Tonton, on ne peut plus retourner. S'il te plaît, mon fils. C'est trop. Allez, prends ceci et va hors d'ici. Hé, qu'est-ce qui lui arrive? Nche. Maman, j'irai moi-même à la morgue et récupérer le corps de Tima. Je vais l'enterrer avec ou sans l'accord du chef. Parce que trop, c'est trop. Ogi restera avec toi. Quand Olan, moi et Amaka iront à la morgue, je veux que tu restes forte, maman. Mon fils, s'il te plaît, vous devez faire très attention. J'ai pas envie de perdre notre enfant, s'il te plaît. Rien ne va m'arriver, maman. Chima était leur dernière victime. Au revoir. Ouais. Très bien, monsieur. Non. J'ai dit en fait que les jeunes étaient déjà prêts. Je suis déjà là, monsieur. En ce qui me concerne, mes hommes et moi, nous sommes déjà prêts, monsieur. Oh oui. Je peux vous rassurer que nous sommes à 100% prêts. Ok. Très bien, monsieur. Dans ce cas, on va se voir à l'endroit prévu, au niveau du carrefour. Ok. Allez, on bouge!
fait, j'attends mon renfort. Tu veux dire la police? Je ne traite pas avec la police. Je fais ce que je veux, hein? Oh, tu veux dire le club de vigilance de notre village? Essayez de vous détendre. Vous allez voir mes hommes. Mes hommes sont largement plus fiables que votre police et votre comité de vigilance mis ensemble. Plusieurs personnes dans notre village ne le savent pas. Bonjour, aîné. C'est le roi qui nous envoie. Le roi. Le roi Onyoma. Notre roi. Premier du royaume des Mesala. Nous a envoyé chercher la veuve de son père. Ce palais qu'elle a quitté depuis un moment. Je n'irai nulle part. Ça, ce sont les terres de mon père. Et j'ai le droit de rester partout où je veux rester. Surtout maintenant que mon mari n'est plus. Et je ne suis pas bien traitée là-bas. Jeune de Oumweze! Jeune de Oumweze! Venez, ils veulent kidnapper votre sœur! Venez, où êtes-vous? Jeune de Oumweze! Venez, mes frères, ils veulent kidnapper votre sœur. Ils sont là. Ils veulent me kidnapper. Ils sont là pour me kidnapper. Non! Nous ne sommes pas des kidnappeurs. Nous avons été envoyés par le roi Onyoma. Ça veut dire que vous et votre roi, vous êtes des kidnappeurs. Non, nous ne sommes pas des kidnappeurs. Ça, ce sont des kidnappeurs. Ce sont des kidnappeurs. Nous ne le sommes pas. Toubisi, laissez-les. Tonton. Toubisi, laissez-les. Arrête, laissez-les. Des kidnappeurs. Toubisi, laissez-les. Arrête. Vous devez partir avec eux. Hein? Je ne vais nulle part. Je ne vais nulle part. Je ne vais nulle part. Ma sœur, écoute. Laisse-moi. Écoute, s'il te plaît, calme-toi. Calme-toi, d'accord? Calme-toi! Tu es sûr? Fais-moi confiance. Allez, dis quelque chose, je t'écoute. Dis juste un truc, j'écoute. Tout est clair. C'est pas un problème. Les gars, le boss a parlé. Allons-y. Si nous les attendons, ces gens vont nous prendre pour des idiots. Nous devons agir vite. Nous savons tous qu'aujourd'hui, Tim était censé être enterré. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas encore vu son corps, ni rien entendu des mécas. Il y en a d'un chez nous qui dit que lorsque la main dépasse le caleçon, ce n'est plus une main, mais autre chose. Votre Majesté, vous avez fait appel à moi. J'espère que tu n'as pas oublié les instructions que je t'ai données. Pas du tout, Votre Majesté. Votre Majesté, j'ai envoyé mes hommes dans les coins et recoins de ce village pour me rassurer qu'il n'y ait pas accès. Votre Majesté. Le corps de Timma ne doit pas entrer dans ce village. À moins qu'il ne l'amène à moi directement. M'as-tu entendu? Oui, Votre Majesté. Vos souhaits sont mes ordres. Va et rassure-toi que c'est fait. D'accord.
personne! Votre Majesté, Votre Majesté, Votre Majesté, Votre Majesté, la situation est grave, il y a des coups de feu partout, c'est grave, Votre Majesté. De quoi parlez-vous exactement, femme? N'avez-vous pas entendu les coups de feu là-bas de l'autre côté du village? Le club de vigilance de notre village ont été attaqués par certains hommes qui sont venus avec Emeka pour enterrer son frère. Ça ne peut pas être vrai. Votre Majesté, c'est vrai, c'est vrai. Garde! Allez-y là-bas et voyez si ce qu'elles disent est vrai. Allez, allez-y maintenant. Où est votre frère? Où est votre frère? Maman. Où est votre frère? Du calme, s'il te plaît. Je veux voir votre frère. S'il te plaît, calme-toi. Où est votre frère? Calme-toi, maman. Où est-il, maman, fils? Calme-toi, c'est bon. Où est-il, maman, fils? Calme-toi, maman, Tima va bien. Où est-il, maman, fils? Doucement, calme-toi, maman, s'il te plaît. Calme-toi. Où est-il, maman, fils? Où est-il, maman, fils? Dieu veut que je meure. 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 Où es-tu, maman, fils? Où es-tu, maman, fils? Où es-tu, maman, fils? Où es-tu, maman, fils? Je veux mourir. Où es-tu, maman, fils? Je veux voir tu, maman, fils. Où es-tu, maman, fils? Je n'ai plus de force. Où es-tu, maman, fils? Où es-tu, ma votre frère? Où es-tu, maman, fils? Où est-il? Où es-tu, ma votre frère? Je veux voir Tima. Je suis fatiguée, Tima, mon fils.
Je ne vais plus jamais voir Chima. Je ne vais plus jamais voir Chima. Chima, mon fils. Chima, mon fils. Chima, mon fils. Chima, mon fils. Chima, où es-tu? Votre Majesté! Hey, Votre Majesté! Votre Majesté! Votre Majesté! Allez, venez. Regardez. N'as-tu pas des yeux? Roger, tu sais que ceci n'est pas loin des conséquences des atrocités que tes enfants et toi avez commis. Ça, c'est pas vrai, Kwaonyama. Comment peux-tu nous parler de cette manière? Trop de choses se sont produites dans ce palais. Trois de mes fils sont morts. Personne ne reconnaît les avoir tués. Personne. S'il te plaît, nous sommes innocents de ce dont tu nous accuses. Je vais aller à la racine de tout ceci. N'importe quoi. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec cette famille? Je ne sais pas, je ne comprends rien. Mais qui a bien pu faire ceci? Maman, allons-y, allons-y. C'est une sorcière. C'était qui a tué ses enfants avec sa collègue la devant Nelka. C'est pourquoi l'esprit de ses enfants tourmente cette famille. Parle maintenant pour que ces esprits soient encagés. Ou meurs du mort misérable comme ta collègue. Tu n'es qu'un individu stupide et fou. Dis-le lui. Qu'est-ce qui nous dit que tu n'es pas un faux tradit praticien? C'est un faux, son nieux. Parce que je ne suis pas sorcière. Nous savons qu'il est. Il l'est à coup sûr. Toi, petit démon. Ma maman n'est pas une sorcière. Encore moins, Neka. C'est évident que ton pouvoir divin sonne complètement faux. Tu n'es qu'un vrai aveugle parce que tu ne peux même pas contredire ce que je suis en train de dire.
si quelque chose de mauvais arrivait à ma maman. Je vous tuerai de mes propres mains. Emeka, arrête ça! Arrête ça! Lâche-le! Sauve-moi! Sauve-moi! Emeka! Sauve-moi! Lâche-moi! 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 Tu peux les tromper si tu veux, mais pas moi! Emeka! Personne ne peut m'arrêter! Mon roi. Au moins aujourd'hui, nous savons qui est la sorcière. Oui. Hein? On le sait tous maintenant. Ce n'est plus caché. Ça va. Maman, tu vois? C'est bon. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ceci? Quoi? Quoi? Quoi, mes enfants? Quoi? Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait pour que les enfants décident de tuer mes enfants? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce un crime? Est-ce un crime de se marier? Est-ce un crime? Est-ce un crime? Non, que quelqu'un me le dise. Est-ce un crime? Mais maman, pourquoi maman Enyoma, ta sœur, nous déteste tellement? Elle n'est jamais venue nous rendre visite depuis que notre frère est mort. Oui, maman. Même te consoler, comme une sœur. Oui, elle a raison. Maman, s'il te plaît, lui as-tu causé du tort? Dis-le-nous. Ce n'était pas de ma faute. Ce n'était pas de ma faute. Ce n'était pas de ma faute. Mais elle a dit qu'elle m'avait pardonné. Elle a dit qu'elle m'avait pardonné. Te pardonner? Maman, te pardonner pourquoi? Je vivais avec ma sœur aînée. Quand elle a donné naissance à son premier enfant. Stella était une très belle jeune fille. Son mari, Okadike m'aimait tellement. Son mari, Okadike, m'appréciait tellement qu'il n'a jamais permis à ma sœur de me maltraiter, même pour un jour. Un jour est arrivé. Pour nous, il m'a invité. Hey! Hey! Les choses que Okadike a faites, c'est parce qu'il m'aimait tellement, toutes ces têtes et toutes ces choses. À la fin de cela, je suis tombée enceinte. Ngozi n'a pas fait le ménage. Ngozi? J'arrive. Que faisais-tu tout ce temps? Dis-moi, Ngozi, que s'est-il passé? Grand sœur, regarde ma maison, Ngozi. Ngozi, regarde la saleté partout. Dormais. Tu dormais? Et tu n'as pas fait le ménage, pourquoi? J'ai fait le ménage, oui. Qu'est-ce que tu as fait? Hein, Ngozi? Qu'est-ce que tu as fait, Ngozi? Mais j'ai fait le ménage hier. Qu'est-ce que tu as fait? Hein? Qu'est-ce que tu as fait? Grande sœur! J'ai fait le ménage hier. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ceci? Non, mais que se passe-t-il ici? Je ne peux pas avoir la paix dans cette concession.
C'est à elle qu'il faut demander. Elle ne veut rien foutre. Et c'est pour ça que tu la frappes? Tu me parles de nuisance? C'est ce que tu me demandes? Ne t'ai-je pas demandé de ne plus la frapper? Elle est ta sœur cadette. Regarde ton état, mon Dieu. Tu la défends toujours? Non, mais pour l'amour d'accord, de Dieu. Sans problème. Arrête ces histoires. Tu la défends toujours? Non, je ne défends personne continue du tout. Continue de la défendre. Je veux juste toi que tu prennes conscience non de ton continue état. Continue de la défendre. Arrête ça. Continue tu finiras de la défendre par lui faire du mal. Il n'y a pas de problème. Ok. Je vas-y vais la renvoyer chez ses parents. Voilà, si ça te plaît. Je vais la renvoyer là-bas. Non, mais qu'est-ce qui ne va pas avec vous dans cette concession? Hein? J'espère que tu n'as pas fait du mal. Viens, ma chère, viens. Qu'est-ce que tu as encore fait, hein? La saleté? Ne t'occupe pas d'elle, hein? Tu as ma protection dans cette concession. Je vais te protéger. Tu n'auras plus de problème. Mais plus tard, tu viendras nettoyer tout ceci, hein? Désolé, ma chère. Désolé. Oh mon Dieu. Votre majesté. Chut. Chut. Calme-toi, ce n'est que nous deux. Je ne veux pas que ceux qui sont de l'autre côté sachent que je suis ici. Hein? Comment tu vas? Pourquoi est-ce que tu recules? Je te fais peur? Attends, calme-toi. Écoute, tu sais que je t'aime beaucoup. Quand je te vois marcher partout dans cette maison, mon cœur ne fait que faire bam bam, bam bam, bam bam. Tu sais ce que ça veut dire? Tu as peur? Je meurs d'amour pour toi. Écoute, calme-toi. Je vais te dire quelque chose. Écoute-moi bien. Calme-toi. N'aie pas peur. Calme-toi. Oh, je crois que tu... Oh, oui, attends. Il n'avait pas d'autre option de... que de m'épouser. Il a payé ma dot. Cela fait mal à ma sœur. Je me suis excusée. Je me suis excusée auprès d'elle. Et elle a dit qu'elle m'avait pardonné. Elle a continué. La haine a continué jusqu'à la fin. Quand la première femme de Kadike s'est rendue compte de ce qui se passait, elle m'a accueillie avec mes enfants. C'était tout. Ça veut dire que ma sœur aînée, Nanti ne m'a pas pardonné. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas ce qui s'est... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ta mère meurt dans le silence. Ta mère meurt à petit feu. Maman, viens s'il te plaît. Maman. Toi? Je suis vraiment désolée, maman. S'il te plaît, pardonne-moi pour tout ce que je t'ai fait de mal. Ce n'était pas de mon intention de faire ce que j'ai fait. En fait, même ma conscience ne m'aurait pas permis de faire ce que j'ai voulu faire.
parce que j'aimais Tima et Tima m'aimait de tout son cœur. Il m'aimait plus qu'il ne s'aimait lui-même, maman. S'il te plaît, pardonne-moi, maman. Lève-toi, ça va aller, ma fille. Relève-toi, ça va. Tu vois, quand tes projets avec Tima ont pris un coup, mon cœur s'est brisé. Mon cœur s'est brisé. Mais ça va. Tout ira bien, ma fille. Merci, maman. Emeka, s'il te plaît, envoie-moi ton numéro de compte pour que je puisse t'envoyer l'argent que Tima a laissé. Et maman, voilà la clé de la dernière voiture que Tima a envoyée et tout ce qui est dans la valise. Ma fille, comment vas-tu survivre? Maman, prends ceci s'il te plaît. Tout ira bien pour moi. Quand je te regarde, je me souviens de mon fils. Maman, s'il te plaît. Ça va. Ça va, ma fille. Maman. Oui, mon fils. Tel que nous avons parlé, j'ai besoin d'un endroit sûr, calme et paisible. Je resterai là-bas jusqu'à ce que tout ceci soit complètement passé, tu vois. D'accord, mon fils. Tu peux partir. Que mon bon Dieu te protège. Amen. Amen. Que tout aille bien pour toi. C'est à toi. Que tout aille bien pour toi. Grand frère, fais attention à toi, s'il te plaît. Attention. Prends soin de toi. Prends soin de toi, Emeka. Maman, ne t'inquiète pas, il a l'habitude de danser, calme-toi. Fais attention. Fais attention, mon fils, s'il te plaît. Maman. 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 Maman, s'il te plaît, réveille-toi. Réveille-toi, maman, s'il te plaît. Réveille-toi. Maman, s'il te plaît, ne nous fais pas ça. Réveille-toi, maman. Maman. Hey. Orana. Maman, s'il te plaît, fais pas ça. Maman, s'il te plaît. Maman, s'il te plaît. Emeka. Qui est là, maman? Qui est là, maman? Emeka. Que se passe-t-il? Maman. Maman, hey. Maman ne se réveille pas. Je sais pas. Maman, s'il te plaît. Maman, s'il te plaît, réveille-toi, s'il te plaît. Maman, s'il te plaît, réveille-toi, maman. S'il te plaît, maman, s'il te plaît. Ah. Tu as vu le poisson? Oui,
il y en a assez. Mais ce sont les épices qui ne suffisent pas encore. Oui, j'aimerais quelqu'un les acheter. Oui, les crevettes aussi. D'accord, ma fille. Maman, tu sais que j'aime quand tu fais la cuisine. On dirait ma maman. Ne suis-je pas bénie? Les femmes les plus importantes de ma vie. Ça, c'est mon fils. Ma mère. Ma jolie épouse. Mm-hmm. Regarde-toi. Tu parais toujours aussi jeune. Ma reine. Oui, mon roi. Le soleil qui brille dans le royaume des Umezala. Juste pour m'en souvenir, j'aimerais savoir si toute l'organisation est déjà en place concernant l'accueil de notre bébé. Le prince couronné du royaume des Umezala dans la communauté. Bien. Fais-nous confiance, maman et moi. Nous avons déjà fait tout le nécessaire de ce que tout le monde mangera, boira et sera heureux. Et au cas où vous auriez envie de mettre quelques trucs en plus, des petits trucs du genre royauté, venez vers moi. Hein? Ça, c'est mon roi. Je suis prêt de voir mon petit-fils. Je peux te rassurer qu'il ressemblera un peu à un frais. Bien. Je suis venue vous annoncer que ma maman est morte. C'était ça ton souhait, n'est-ce pas? Rajoute-toi parce que tu l'as tuée. Son corps a étalé là-bas. Viens la chercher, rôtis-la et mange-la. Tu as finalement réussi. Tu as tué ma maman. Mais je l'ai... Arrête ça. Rassurez-vous que l'arrangement pour l'accueil de mon fils ne soit pas annulé. Arrêtez-vous! Allez, arrêtez-vous! Hey! Allez, descendez, vous tous! Officier, calmez-vous. Pas besoin d'armes. En l'air. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Ah, patron! Ces petits pontés de armes dans le voiture! Mettez en évidence votre gadget de communication traditionnel. Ainsi, vous n'allez rien rater de ce qui se dira ici même. Il va me tuer.
présente tes excuses pour cette accusation. Chipowaka, toi également? Mais pourquoi? Chipowaka, dis la vérité. Non, je t'en suis. Votre Majesté. Mon roi, même vous, vous faites partie de ce clan? C'en est terminé avec toi. Je te frappe de mort. Je suis le tout-puissant Kanakaman. Maman! Papa! Papa? Maman, je suis rentré. Je viens de rentrer, papa. Ah, mon fils. Allez, viens embrasser ton papa. Mon seul et unique fils. Oh, maman, ça fait du bien de te revoir. Bienvenue, mon petit-fils. Bienvenue. Waouh, bienvenue, petit frère. Oh là là, grande sœur. Oh oui, grand-mère. Oh là là, ça fait trop plaisir. Je suis trop content d'être là. J'espère que tu te comportes bien là-bas. Regarde-toi. Allez, viens. Je sais, papa. Viens. Tu m'as beaucoup manqué. J'espère que Trump sait que le prince du royaume Umezala. Oh oui, bien sûr. Il est en son pays. Bien sûr. Il le sait. Nous avons tout préparé pour t'accueillir, hein? Oh! Oh, Chinoso, papa! Chinoso! Chinoso! Roi Onyoma, ton heure est arrivée. Tima. Quel Tima? Tima est mort! Il est là. Il est là. Chinoso? Le jour où tu payeras pour tes atrocités. Tima. Tima, je suis désolé. Je suis désolé. Tu as tué mes frères. Ikenda, Azubike et Afumwa. C'est pas ça. Qu'est-ce qui ne va pas, mon roi, mon roi? Mais je ne peux pas mourir. Aujourd'hui, tu devras payer avec ta vie. Meurs! Meurs! Mais qu'est-ce qui ne va pas? Chinoso! En tout cas, quoi? Que se passe-t-il? Mon roi, vous n'êtes pas un meurtrier. Je suis le meurtrier. Jeunesse, s'il vous plaît, amenez son corps. Allez à Okihara l'enterrer. Attendez-moi ici. Votre Majesté. Homme sage, les yeux des dieux, le messager de nos ancêtres.
Le seul homme qui parle avec la terre est votre amour des murs. Au fou moi déconniqué. Au fou moi déconniqué. Je te salue. Tu es la seule personne qui marche avec ton escorte et ne fait point d'erreur. Ou quoi pas là-bas? Easy, Oui. Le problème dont nous avons parlé est mieux conclu avec la sueur du front. Gweba? Hey! Oh, Gogo! Igwe, tu es venu! Mon roi, tu es venu! Tu es venu! À pour moi! Apparaît! Hey! Entre! Entre! C'est déjà fait! Il est déjà à l'intérieur! Il est à l'intérieur! Hey! Mon roi, c'est fait! Tu peux partir! Oh, Boubou! Tu peux partir! Tu peux partir! Ah! Hey! Oh, Boubou! Nous avons recommencé! Alors, à quoi me vaut cette visite? Bien, je suis venu avoir une discussion avec mon frère, le roi de la communauté Omzala. Après avoir désobéi à mes ordres et après m'avoir manqué de respect en présence de mes chefs de cabinet. Votre Majesté, un proverbe dit « Vaut mieux s'excuser que de garder le silence ». Tu vois, je suis désolé pour la manière dont j'ai réagi. Tu vois, je n'étais pas heureux. Tu vois, Enfoua est mort mystérieusement comme notre frère inquiétait. S'il te plaît. Bien, ça va. Je ne suis pas du genre à garder les problèmes pendant longtemps. Je t'ai pardonné. Merci. Et Azubike et Yafomwa qui sont morts, ils étaient aussi mes frères. Et ça m'a tellement fait la peine de les voir mourir dans leur jeunesse. Vraiment. Votre Majesté, c'est la raison pour laquelle je suis venu vous voir. Tu vois, je veux vraiment savoir quelles sont les causes de ces morts interminables dans notre famille. Parce que ça évolue, tu vois. Au fond de moi, ça me donne envie de chercher plus loin. Tu l'as si bien dit, mon frère. Makarono, tu sais que notre père, le grand Okadike, c'est un grand pratiquant de tradition qui a commis beaucoup d'atrocités en faisant des sacrifices aux dieux. Et ce sont là ces conséquences qui réclamaient la vie de nos frères. Dans ce cas, si ce que tu dis est vrai, pourquoi ces choses réclament la vie de mes propres frères? Où sommes-nous les seuls à qui notre père a donné naissance? Là, c'est une question très brillante. Mais tu vois la réponse à ça maintenant? Je pense que la seule personne qui puisse répondre à ça, c'est le grand Iko. Iko? Qui est Iko? J'aimerais que tu te prépares très tôt demain matin. Ok. Ndokui et moi t'amènerons dans le grand sanctuaire de Oko. Hein? C'est là-bas où ces liens de mort prématurés seront brisés. Hein? D'accord. Pas de problème. Mais autre chose, tu n'as pas besoin de le dire à quelqu'un. Pas à ton frère, ni à ta mère. En fait, à personne, jusqu'à ce que ce soit fait. Hein? D'accord, mon roi. Tu peux compter sur moi pour cela. Ok. Il faut bien te préparer demain, ok? Ok, je vais devoir m'en aller maintenant. Oui, d'accord, c'est bon. Va bien.
Naïko. Nous sommes venus pour... Chut! Vas-y, ferme ta bouche! Personne ne me dit quel est son problème! J'ai 1 million d'yeux et 1 million d'oreilles. Je vois tout et j'entends tout. Et je comprends tout. J'ai simplement le front. Et je me permettrai de faire l'action. Hey! Ouguararara! Hey, hey! Oh, gourou! Ouguararara! Hey, hey! Oh, bourourou! Oh, gourere! Oh, bourourou! Hey! Tu es là pour découvrir pourquoi il y a des morts successives dans ta famille. Le premier est mort. Il a été enterré. Le deuxième est mort. Il a été enterré. Et un autre qui sera prêt à mourir d'ici peu de temps. C'est ainsi que ces morts continueront dans ta famille si rien n'est fait. Nayondekwe, que pouvons-nous faire? Pourquoi ça nous arrive? Pourquoi ça nous arrive à nous? Pourquoi ça n'arrive qu'aux enfants de ma mère? Cette malédiction vient de Okadike, votre défunt père. Mais après ce bain spirituel que je vais faire aujourd'hui, ces morts subites vont s'arrêter dans votre famille. Alors je te demande, es-tu prêt pour le rituel? Nayondekwe, je suis prêt. Je suis très prêt. Ah, Edikeme! Hey! Viens! Laisse-toi là. Viens-le immédiatement! Ouvre ta bouche! Ah! Oh, Buko! Oh, Buko Yori! Oh, Yori! Hey! Oh, Buko! Oh, Bougou! Ah! Oh, Bougou Yori! Hey! Oh, Bougou! Oh, Bougou Yori! Oh, Bougou! Hey! Oh, Bougou! Le tout-puissant grand maître! C'est fini! C'est fini! Personne ne peut égaler. Alors, Gogo! Il n'y a que toi qui connais les secrets les plus enfouis de nos ancêtres. Tout-puissant! Ils sont déjà libres! Ah, ils sont déjà libres! Oui, en fait, c'est... Votre Majesté, je vous salue. Tout ira bien avec toi, Ndokwe. Votre Majesté, il y a un problème urgent que nous devons résoudre immédiatement. Ok, vas-y. La présence féminine, Votre Majesté, pouvons-nous parler en privé? Ma reine, tu devras m'excuser. Il n'y a pas de souci, mon roi. Je te retrouve bientôt. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Mon roi, nous devons résoudre ce problème immédiatement. Sinon, tous nos plans vont tomber à l'eau et seront tous exposés. Mais vas-tu cesser de parler en parabole et me dire ce qui se passe exactement? Ok, ok. Calmez-vous, mon roi. J'ai le sentiment que Tima est de retour dans ce village. C'est pas possible, ça. Bien sûr que c'est vrai. Et ce n'est que le début. Je l'ai vu avec mes propres yeux à l'église. Et mon roi, si rien n'est fait à cet instant, nous allons tous tomber. Alors tu dois le finir. Tu ne dois pas échouer à cette tâche. Allez, vas-y, vas-y. Sorry. Pour que personne ne te soupçonne. Allez, vas-y. Donc oui.
Considérez le fait, mon roi. Je comprends maintenant. Donc, tu es autant malin et Mika et toi, vous le cachez à tout le monde. Nous ne l'avons caché à personne. Hein? Est-ce que ton frère, le roi Onyoma, est au courant de ceci? Non. Voilà. Est-il au courant que tu es au pays? Non. Comment ça, non? Hey! Je vais courir le lui dire. Ne lui dis rien. Mon frère Emeka va le dire de lui-même. Hey, son cas est vraiment délicat. Mon frère. Tout ira bien. Tu es au contrôle de tout. Voilà le bon moment. Vous devez vraiment, vraiment prier. Il n'y a que Dieu qui puisse faire cette magie. Hey, je vais courir pour faire ma prière et je reviendrai le voir. Chima! Feu! Chima, c'est terminé pour toi. Tout ce qui te retient à la vie, je te le retiens maintenant. Que je dois faire maintenant. Ça, je ne sais pas, mon roi. Hé, hey, Tima. Ce dont nous craignons, il a fait. Il veut se rendre justice lui-même. Il a un esprit fort. Il t'a suivi. Il ne trouvera pas le repos avant que tu te confesses. Ou il t'en verra la mort. Mais tu sais, tu dois faire quelque chose dans un espoir. Tu sais que j'ai pas envie de mourir. C'est pour cela que je suis là. On doit faire quelque chose. Je me demande de faire quelque chose. On recorde ce qu'on sème. Hein? Je vois, les problèmes arrivent et ils sont tous devenus dans ton chemin. Sauf si quelque chose les freine. Même si tu meurs, d'autres membres de la famille vont mourir, à moins que son esprit soit encagé. Mais Ikoro, tu es les yeux des dieux, n'est-ce pas? Non, mais il faut qu'on fasse quelque chose. Dis-moi juste quoi faire. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter cette tragédie? Il y a certainement quelque chose à faire. Tu dois aller sur sa tombe. Exhume son corps. Coupe la vue machette et ramène son corps ici. Je vais encager son esprit. Ou tu vas sur sa tombe, invoque ton esprit et encage-le. Mais homme sagesse, tu ne viendras pas avec moi. Pars ! Jésus, pars ! Qui est là?
Ouais, boss. Ils étaient là. Mais nous avons réussi à les repousser, boss. D'accord, boss. Ça marche, boss. Comme ça, je ne pense pas que ce sera possible. Hier, ils nous ont pratiquement tiré dessus. N'a-t-il pas d'autre moyen? Je ne veux pas mourir et j'ai pas envie qu'un membre de ma famille meure. Tu dois m'aider. Tu connais beaucoup de choses. Haya Okata, Haya Okata, Haya. Haya Okata, Haya. Haya Okata, Haya Okata, Haya. Hey! Ceux qui dansent Kuruderé ne savent pas que Kuruderé, c'est la danse des esprits. Alors je te demande, es-tu prêt pour ceci? Je suis prêt. Pour toute autre chose à part l'autre, si. Viens là! Viens là! Va maintenant! Rassemble ta famille! Et dis-le que j'arrive là-bas. Je considère que c'est... Dis-le que je viendrai. Les yeux des dieux. Tu peux partir. Je savais que tu allais avoir une solution. Hé hey! Oh, Gougou Oh, Gougou C'est de ma faute. Dis aux enfants de Gozi de me pardonner. Pas besoin de l'envoyer. Tu passeras le message toi-même. Et il n'y a rien qui t'empêchera de rejoindre mes défunts frères maintenant. La mort est le juge de l'âme. Tu n'as que ce que tu mérites, sorcier. Pardonne-moi, ah, s'il te plaît. Pourquoi tu lui dis tout ça? Ton mari est un sorcier. S'il te plaît. Pardonne-moi pour que mon âme trouve... Mon roi? Pourquoi me fais-tu ça? Mon roi! Ikoro! Hey! Tima! Je pensais que tu étais mort! Il n'y a pas de cachette pour un homme mauvais! S'il te plaît, pardonne-moi! Pardon, s'il te plaît. Tu m'as berné avec tes mensonges. Tu as promis de mettre un terme aux morts dans notre famille. C'est ton frère Onyoma qui m'a persuadé. Hé, hey, s'il te plaît, aie pitié de moi. Et tu as réussi à me tuer. Hé, hey, s'il te plaît, pardonne-moi. S'il te plaît, pardonne-moi, c'est tu ton frère. Tu sais tout. Tu entends tout et tu vois tout. Mais mes yeux, je le vois pas. Je vois plus. Oh mes yeux. Je suis commission. Tu dois mourir.